Thank you.
Bonjour les gens, ça va? Donc là, je vous ai fait une petite intro musicale que j'ai pris soin de ne pas enregistrer pour ne pas me faire bannir ma vidéo pour une fois. Donc c'était Nguyen Le puis Magma pour cette petite attente. Voilà, j'espère que vous allez bien. Là, je commence à streamer plus tôt que d'habitude, mais comme là j'ai un jeu particulièrement long, j'ai décidé de commencer assez tôt. Donc la Darksiders, j'ai fait qu'une seule session dessus. J'ai fait qu'une seule session dessus. Hop là. Voilà le jeu. Ouh là, c'est fort pour moi. On va baisser un petit peu. N'hésitez pas à me dire hein, si la balance, enfin si l'équilibre n'est pas bon. A priori, ça devrait aller, mais voilà. Alors je m'excuse par avance de la qualité entre guillemets médiocre du point de vue technique, en tout cas. Du stream, puisque comme vous le savez, avec la connexion en mousse, et comme il s'agit d'un jeu quand même un petit peu exigeant en termes de framerate et autres, dernier stream, lors du stream test, c'était pas trop dégueu, mais il y avait beaucoup de drops, donc j'ai baissé légèrement la qualité. Il y aura moins de drops, mais du coup, ça va être un petit peu moche, mais ça, j'y peux rien. Tant qu'on n'a pas la fibre ici, on est dans l'embarras. Donc j'ai fait qu'une seule session d'à peu près 2 h 30, je suis vraiment au début du jeu. Je suis au début du jeu. Et je vais streamer beaucoup aujourd'hui. Cette semaine, je vais, en tout et pour tout, je termine le jeu. J'ai jusqu'à jeudi soir pour le terminer. À peu de choses près. 8, 16, 24, 32. Bah, ça fait à peu près 8 heures de stream par jour. Je vais faire des sessions de 4 heures. 4 heures, puis une pause, puis 4 heures. Donc je vais pas faire grand chose d'autre cette semaine. Ah oui, c'est vrai que je peux pas. Dès que je clique sur n'importe quoi, le jeu est enfenêtré. Il me pose quelques soucis. Hop là. Je vais couper d'ores et déjà les musiques indiquées. Parfait. Comme ça, je peux mettre ça et normalement, j'ai pas de soucis. Mais voilà. Donc comme je disais, alors ce sera peut-être un des derniers jeux que je ferai en scandale pourcent. Non suggéré, rappelez-vous, par les gens du chat il y a déjà quelques mois. Pourquoi? Parce que je vais essayer de faire mieux en fait sur Twitch. Pas que ça me semble inintéressant, enfin du moins les gens aiment bien. Mais je pense que je vais essayer, je jouerai dans mon coin tout seul et je ferai des streams mais un peu plus travaillés, donc un petit peu moins, et d'autres choses que j'ai envie de faire. Voilà, j'essaierai de faire des trucs un chouïa plus travaillés, ou faire du multijoueur notamment avec en coopération, en opposition et tout ça. J'inviterai des gens, je ferai beaucoup de débats. Surtout quand le Stunfest sera passé, parce que vous vous doutez que le Stunfest ça me prend un sacré paquet de temps. Mais c'est vrai que je pense pas que juste du gaming comme ça, juste du jeu, pas que ce soit inintéressant, mais dès qu'on fait des sessions longues, j'ai l'impression de pas produire quelque chose d'une qualité suffisante. Parce que je suis trop fatigué, j'ai n'importe qui au bout de 5 heures de stream, dit plus rien d'intéressant. Donc sur des sessions courtes ça va, mais là bon. De toute façon, faut que je joue au jeu pour speed game, c'est pas le problème. Mais... Ah youpi! Et c'est ma chaise, j'avais même pas fait. Oh putain, je suis trop bas maintenant. On va le remettre quand même, il faut pousser. Donc voilà. C'est quoi mon PB sur Darksiders? J'en ai pas. Bah, DOC, j'attends que ce soit de retour. C'est juste que là, le jeu est en stand-by pour l'instant. Mais moi, je compte en restreamer de nouveau en invitant des joueurs, des internationaux ou des joueurs français. Je les connais quasiment tous. Ce sera avec plaisir. Mais je crois que c'est fin mars l'extension elle a été annoncée. Surtout que moi, je suis sur le serveur BAL, donc entre guillemets le serveur VIP. Donc je pourrais vous montrer. Dès qu'on aura l'autorisation, je pourrais vous montrer toutes les cartes. Ça va être assez sympa. Alors, on était sur continuer. Voilà, a priori, c'est bon. On n'a pas la musique. Voilà, c'est cool. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me faire des retours si vous pensez. Pour améliorer, en fait, la qualité aussi du show, n'hésitez pas à me dire hein, si vous trouvez, par exemple, soit que je suis trop vulgaire, soit que, bon, la qualité technique, ça, j'y peux rien. Ou alors que vous préféreriez que je fasse des shows un peu plus travaillés, plus que du simple... une forme de let's play, sauf que voilà, je le fais d'une manière un peu différente, simplement parce que une personnalité particulière, mais n'hésitez pas, même à être dur en soi, moi ça me dérange pas, qu'on me fasse des critiques acerbes, je trouve ça toujours très constructif en fait quand c'est argumenté, pas de souci avec ça. Alors voilà, c'est parti pour, alors là vous aurez pas trop de drop a priori, mais la qualité sera peut-être moins bonne que d'habitude déjà, mon excuse. Pour une fois, je pense enregistrer. Alors, il va falloir en plus que je me refasse un petit peu au jeu. J'ai fait qu'une seule session, il y a quelques jours. Alors, je me refasse mes petits combos. Alors, en gros, les combos, la plupart du temps, c'est spammer.
Ah oui, non, naturel, ça y a pas de souci. Moi, je me mets pas en scène, j'aime pas ça. Je suis anti-mise en scène, ça peut paraître curieux, mais. On va vous faire tout l'aspect politique, mais je pense, ouais. J'aime pas trop la mise en scène. Après, je pourrais vous expliquer en détail. Pourquoi, lors d'une émission dédiée. Mais pour ceux qui connaissent de bord, disons que. C'est quelque. Alors, c'est sûr, on est toujours dans la contradiction, parce que je travaille dans l'audiovisuel, mais disons que. Voilà. Il y a un souci de mieux faire sur cet aspect, en tout cas, enfin d'être vigilant, ça veut pas dire que il y a quand même des travers et des contradictions et des paradoxes dans ma pratique, mais disons que j'essaie de faire en sorte qu'il y en ait le moins possible. Alors a priori là c'est vraiment une épreuve facile. Ah je fais blind, on me donne pas d'astuces sur le jeu sauf si je le demande. Évidemment, pas de spoiler, surtout sur l'histoire, pas de spoiler sur l'histoire, sauf si vraiment je suis à la ramasse parce que je sais pas ce qui se passe. Alors ici je crois que je dois appuyer sur B, je lis pas les tutos, moi c'est un vrai problème. C'est ça? Ok, c'est parfait. Allez, mais... Sérieux? Ok. Alors là, c'est juste... On t'apprend à jouer en gros ici, quoi. Quelque chose près, hein. Alors, les petites chauves-souris, elles sont bien rigolotes, elles sont tellement faiblardes. Je vais reprendre aussi ouverturefacile.com, j'y pense, parce que ça vous avait plu. Pour les 5000 abonnés, j'avais fait ça, là j'atteins les 6000, donc je vais faire une session supplémentaire. Tous les 1000 abonnés, je fais une grosse session. Non ! Oh non, quel blaireau ! Saleté. Vilain monstre. Alors il y a quelques petits défauts dans le jeu, j'ai déjà noté quelques défauts d'ergonomie dans Darksiders. J'ai vu des qualités, mais vraiment il y a des choses que je n'aime pas. Mais putain, mais c'est pas vrai, j'appuie pas sur le bouton là. Oh, putain, mais quel blaireau. Ah non, il me l'accepte quand même, il me prend mon input. Ah ok, d'accord, pas de soucis. Ok. Allez, mais... Go, quoi. Dès qu'il y aura un gros arrivé, ça fait un peu plus chier. Les vilains gros, ils sont très très chiants. Alors, il n'y a pas une attaque comme ça. Comment est-ce que cette attaque, déjà? Ah, c'est ça. C'est ça. Il y a un petit dash. Ok. Le vilain dash. Pousse-toi, le vilain dash. Bon, on va essayer d'éliminer d'abord les machins qui volent. Ils sont pas costauds. Alors, il n'y a pas moyen de faire. Je sais même plus comment on fait ça. Ok. Ok. Non, pas le gros. Ah, mais putain, mais il est rapide ce monstre. Putain, il n'y a plus que ça. Les gros, ils se tapent entre eux, il y a un friendly fire, ils sont trop sympas les gros. À part qu'ils me tapent aussi, ça c'est un petit détail. Bon de vue. Poussez-vous. Ok. Ouah ! What the fuck ? Non, non ! C'est dégueulasse ! Putain ! Ah, j'avais réussi ! Il m'a tué au moment où je tuais la chauve-souris, putain. Enfin, la chauve-souris en version plus vénère, là. Oh là 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 là! Putain! C'est pas vrai! Putain, mais les gros ils font trop mal! Mais ouais, attends, on retourne avec l'écran-titre. Putain, c'est pas vrai quoi! Ah la putain! Ah, ça c'est vraiment un truc qui me saoule, j'aime pas refaire les trucs quoi! Ah, ça m'énerve, en même temps, j'ai plus mes combos en tête. Je les reverrai. Parce que le jeu, en fait, a l'air d'avoir un gameplay assez profond. Enfin, du moins, il a l'air d'avoir une diversité d'options. Le problème, c'est que je trouve ça, justement, peut-être un peu trop pour le départ. Pas assez progressif, mais bon. Ah là 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 là, ça c'est pas vrai, quoi. La perte de temps. Ça me saoule.
Ok. On sort de la caméra, on est malin. Allez, faut s'accrocher. Allez, mais putain, mais lol, mais saute, vilain bonhomme. Je suis en apocalyptique, évidemment, vous en doutez, ceux qui ne lisent pas le chat ne peuvent pas le savoir, mais je suis en apocalyptique, évidemment. Si ça me saoule, j'avais pas forcément aimé le jeu. Mais normalement, je meurs pas. C'est surtout ça. Allez, mais lol, quoi. Allez, mais... Normalement, j'ai qu'à appuyer... Allez, mais tiens, ils sont solides, les vilains soldats, quoi. Allez. Voilà. Allez. Ah, y'a pas déjà un gros quoi? Non, c'est bon, c'est un petit machin qui vole. Là, j'en reviens pas de la bêtise que j'ai pu faire. Là, tous les trucs qui volent. On les pète. Voilà. Ok, je commence à capter un petit peu. Là, j'espère pas mourir à cause des gros. Donc je les pète avant que les gros arrivent normalement. Je sais pas si c'est un timer ou si tout. Ah putain, la saleté. Non, mais putain, mais je devrais être hors de portée là. Sors des dashs, ça sert à ça. Allez. 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 Faire des dashs. En plus, j'ai une double dash maintenant. Je peux faire un dash en l'air, un dash machin. Il y a un petit ennemi qui vole. Oh putain! Allez, il y a un petit ennemi qui vole là-bas qui va carrément m'aider. Ouh, l'ennemi qui vole là. Petit ennemi qui vole. Allez. Mais putain, il est où l'ennemi qui vole? Normalement, le petit ennemi qui vole, il va se faire vaporiser, le pauvre machin. Oh, allez. Mais putain, j'arrive pas à le trouver. Ah voilà, le v'là. Normalement, ça donne l'XP des autres monstres aussi. Ou pas. Les réflexes de guerre ont été réveillés en lui. Permettent de contrer toute attaque physique ou projectile appuyé sur RB juste avant impact. Right button. Voilà qui était amusant. Peut-on recommencer? Hop là. Ah. Bah oui, sur le Zelda, vous avez vu ce que... Bon, c'est vrai qu'on a eu un léger problème de son, mais bon, ça arrive, c'est rare, mais de temps en temps, ça arrive, hein, sur le Zelda, le live. Et sur le live, on vous a fait quand même deux bonus à la fin pour ceux qui ont eu la patience d'aller au bout. Donc on essaye de faire comme d'hab, hein, le maximum, mais avec des contraintes. Qui sont les contraintes du live?
Ah, c'était déjà le dernier. Ok, pas de soucis. Hop, alors regarde ça, c'est une super dash. Par contre, j'ai pas de dash plongée. Ah, j'ai des petites ailes maintenant, ça c'est. Hop là. Heureusement qu'il y a un petit point lumineux pour pas qu'on spawn, j'aime bien. Je trouve, je suis très touché par cette attention. Ah non, on peut pas faire le coup d'épaule quand on est en train de faire ça. Ah non. Ah ok, on peut pas. Dans le doute, quand je vois une porte, ben. Ah non, il y a. Alors par rapport à la dernière fois, j'ai baissé un peu les bruitages. Les améliorations augmentent les défenses de guerre avec un armement improvisé. Les améliorations d'armes doivent être insérées dans une arme partie forge d'armes de l'inventaire. Waouh, le dormeur doit se réveiller, bah oui, ça nous a tous marqué ça. Alors... éclat de pierre de vie, ok. Vol d'ombre. Contre-attaque. Casser des capacités passives. Oh, c'est quoi ça? Ouais. J'ai même pas compris ce que ça faisait ça. Par une description. Dévastateur, genre select, putain. Ah, j'aime pas quand ils donnent pas d'explication. J'ai passé trop vite. Quelqu'un peut m'expliquer ce que ça fait, ça? L'âme du chaos, ben je suis heureux, ouais. Bonjour à ceux qui arrivent. Y sur l'icône de l'attaque. Ok. Ok, bah, augmente considérablement les dégâts par arme improvisée. Les armes improvisées. Ah oui, d'accord, les voitures et tout ça. J'imagine les trucs qu'on prend du décor. Assure des âmes pour la destruction des objets de l'environnement par tous les moyens. Ah d'accord, on peut péter du coup les éléments de décor et maintenant on est récompensé par des âmes. Genre, je pète les tombes, quoi. On va tester. Non, c'est pas ça que ça veut dire? Alors, on peut... ok. Putain, on cible. Ah, on balance. Ah non, péter, c'est peut-être ça. Ouais, enfin bon, assure des âmes, ouais, c'est que dalle, quoi. Bah, des études de philo, techniquement, il n'y en a pas plusieurs en France. T'es un master de philo, en gros, tu fais licence 1, 2, 3, puis... Master 1, 2, éventuellement doctorat de philo. Mais moi c'était plutôt un campus de philosophie analytique. C'est plutôt minoritaire en France, et ce qui est plutôt majoritaire dans le monde. Salut Twin. C'est parti, alors là, c'est parti. Ok, hop. Et maintenant j'ai appris quelque chose, et voilà. Je saute et j'éventre les mecs. Voilà. Voilà, bon bah. Ok. Nickel. Alors ça, ça me donne des âmes, c'est ça? Parfait. Pff, ouais, est-ce que ça vaut le coup de péter toutes les caisses? Ça a l'air de donner assez peu d'âme quand même. Ouais, c'est un peu ridicule. Alors ok, let's go. Ok, nickel. Saleté. Allez. Et c'est pas vrai.
Bon, c'est sympa. Ah, mais mince, pourquoi il a pris ça? La philo, c'est vraiment cool. Oh, on dirait un truc. Oh, ça sent le mur cassable. Ça sent le mur cassable. Soit avec un pouvoir spécial, mais c'est pas possible qu'il y ait... Je n'y crois pas. Ça ne peut pas juste être un cristal de glace comme ça. Alors, soit une attaque de feu, soit... Je sais pas trop ce qui pourrait le péter, mais... Peut-être... Peut-être si on prend plusieurs voitures. Alors... Oh mince. Mais non, Twin, c'est moi en fait qui ai l'œil de l'aigle. C'est pas que le level design est trop évident. C'est moi qui ai l'œil de l'aigle. Bon bah ok, par contre c'est genre obvious que c'est un truc magique, c'est... Il va falloir que je retourne en arrière avec une capacité genre pète les murs magiques ou pète les murs de glace. Ok, tant pis. Ouais, en tout cas. Mais je sais, c'est normal. Toi aussi t'as l'œil de l'aigle. Alors ok, un petit ennemi. Ok, let's go. Alors est-ce que quelqu'un peut me dire si ça fait plus d'XP quand on fait des combos? Est-ce que ça fait plus de points lorsqu'on fait des combos? Ah là, quand je mets un coup dans le vide, par contre, ouais, ça me... Ah ouais, ça fait plus de mecs quand on achète avec B. Ah putain! Ce qui est chiant, c'est qu'en speedrun, ça met plus de temps d'achever un mec avec B. Bah, j'imagine, en tout cas, du peu que j'ai joué au jeu, ça... c'est un peu long, quoi. Moins classique, beat them all. Et là, ou kill them all. Tu les tues tous et tu peux passer. Dans le doute, fais des combos, merci. Il y a bien des gens qui ont joué qui vont pouvoir me répondre quand même. Je sais que c'est plus classe, mais... Je veux dire, plus classe pour plus classe, si c'est juste moins efficace, au bout d'un moment... Oui, oui, je sais en plus. Il y a des OB, il y a des trucs assez impressionnants. D'ailleurs, je tiens à noter un Twin, vous le connaissez évidemment, mais peut-être pas pour Darksiders, mais il a le world record du 50%. Et il connaît parfaitement la première moitié du jeu. Alors, c'est une catégorie très peu runée. Mais si vous voulez, du coup, des astuces, n'hésitez pas à lui poser des questions. Salut à ceux qui arrivent. Hashtag. Half speedrun world record, ouais, c'est ça. Ok. C'est ça, world record en half et half speedrun. C'est trop... Il y a une trop grosse hype autour du speedrun et donc... nous, il y a des gens qui ont décidé en fait de se distinguer. En montant justement... en montrant qu'il y a des objectifs possibles qui sont différents. Alors, où vais-je aller? Il y a une petite map ici. Ah, j'aime bien, par contre je sens que je vais accrocher au jeu, quoi. Je sens que ça va... Même si c'est un petit peu dirigiste, je sens que je vais quand même prendre plaisir à ce jeu. Ah, c'est cool. C'est ça, voilà, on est des marginaux.
Ah, je comptais faire aussi un speedrun de DOC, mais c'est pas une blague par contre. Ça peut être très rigolo le mode campagne. Là j'ai mis les bruitages moins forts, c'est mieux comme ça, on a la musique plus forte, c'est pas plus mal. Bon bah let's go. Oh, le petit mec qui se balade tout seul. Il est trop courageux. Ah non, c'est bon, il y en a un deuxième. Ah bah pour DOC, en fait, c'est pas dur, je pense, le speedrun. Je pense qu'il se fera avec un deck Inferno. Je pensais le faire avec Xorm, mais Xorm va être nerfé. Là, vous êtes pas censé le savoir. Mais... D'ailleurs, je suis contre le nerf. Et je pourrais expliquer un de ces quatre pourquoi, mais de toute façon, pour l'instant, vous êtes pas censé le savoir. Donc, nous en discuterons quand vous serez censé le savoir. Ok. Ouais, c'est pas mal ça, je suis content avec mon super... Mon vol du faucon là, enfin c'est pas le vol du faucon mais... Bon, on s'en fout. Ok... Ah j'aime beaucoup l'ambiance là, c'est cool. Wouah. Vous le voyez pas parce que vous avez un stream moche, mais moi c'est joli. Ouais c'est ça, c'est pas prémendu. Et ce que j'aime bien c'est que très souvent on tombe... Enfin là, le fait que ce soit un univers contemporain... Bon certes, c'est bah du coup c'est post-apo, mais c'est mine de rien quelque chose qu'on voit assez rarement, parce que ça se passe dans notre futur ou notre présent. Du coup, t'as la magie, t'as un gros mec, t'as l'enfer, t'as les démons, t'as les anges, mais t'as les voitures, les cadavres de caisse. Je trouve ça cool. Les carcasses de caisse. Il faut demander aux gens du chat pour savoir qui a édité, parce que moi c'est le genre d'info en fait qui... Typiquement que j'oublie. Ouah, j'ai un quart de cœur. Va falloir que je me refasse un petit tuto peut-être juste sur les techniques que j'ai parce que j'ai l'impression que je me sers pas de tout. Bah, je suis pas sûr. Trop pratique d'avoir mis ces balises pour que je puisse me servir de mes petites ailes. Et voilà un gros monstre. Ah ça j'en avais défoncé un dans l'intro. Mais là j'ai plus tous mes super pouvoirs. Ah ouais. Non, mais c'est une blague. C'est quoi ce mec là, sérieux? Putain. Il a disparu le truc pour que je vole? Oh non mais la blague. Ouais, youpi. Non putain, quel con, mais c'est pas vrai. Ah ils sont... Ah putain, un speedrun. Putain, c'est mortel. Ouah putain. Saleté. Ah putain, mais ça fait trop mal, ça! Saleté! Putain, mais ça portait de ouf! Allez! Ah la vache! Non, il me donne deux coups, c'est cheaté, quoi! Non mais putain! Putain, alors je suis mal barré pour le battre là. Oh putain, mais il me touche de vachement loin! La portée de ouf! En tout cas, ouais. Recommencer au dernier point de contrôle, hein, putain. Quoi?
Ah la vache, ça c'est un amusement, non sérieux, j'ai pas refaire. Ils me font rouvrir ça, attends, j'aurais dû faire une sauvegarde juste avant le boss. Oh mais merde. Je vois pas l'intérêt en fait de faire ça. Ok, j'ai compris. Fallait que je sauvegarde. Ah ouais non mais je pourrais essayer de parer les attaques mais en fait je suis un. En fait je suis quelqu'un qui n'aime pas parer. Je n'aime pas parer. Mais j'ai tendance à pas les utiliser parce que je run une catégorie très particulière. Mais si j'ai pas le choix, en dernier recours je ferai ça. Ah ça m'énerve ça. Parce que là je refais. En fait. J'ai rien contre le fait qu'on recommence, même des fois légèrement en arrière, mais là, c'est un truc vraiment pas difficile, c'est juste ça t'ennuie de le refaire, quoi. Bah, nos parades pour cent. Oh bah c'est tant mieux, j'avais pas pris tous les coffres. Oh la vache, le vilain monstre. Ok. Ouais, trop cool. Et hop, un quart de cœur. Par contre, je sais pas... Ah, il m'a compté comme les objets que j'ai récoltés. Je suis pas obligé de les reprendre, j'ai l'impression. Bah, le jeu, ouais. Ouais, on peut le voir comme ça. Non, là je sors par là, c'est ça. Okay. Toujours prendre le chemin. Par. Non, je suis arrivé par là. Même plus. Ouais, bah non, je suis arrivé par là. Donc, ok. Étant arrivé par là. Voilà, un nouveau cercle de Vulgrim a été ajouté à la chronique, mais qu'est-ce que c'est cool. Salutations. Ah, ça c'est cool. Alors moi, je sais pas pour vous, mais... Alors il y a des trucs... Ah oui, il y a des trucs que j'ai déjà pris en plus. N'importe quoi. Restore... non, ça c'est nul. Alors ça c'est un bonus. Augmente les dégâts infligés par une attaque avec les armes. Ça m'a l'air pas mal. On meurt pas mal. Attaque orbitale arrière plus. Alors qu'est-ce que vous prendriez vous, enfin histoire de voir. Bon bah je vais prendre ça. On se tapait plus fort, c'est cool. Tu es tout aussi sage et que puissant. Il n'y en a qu'un pour l'instant. Bonjour à ceux qui arrivent. Alors voilà, youpi. Et ensuite, qu'est-ce que vous prendriez comme attaque? Parce qu'il me semble que j'ai déjà pris une attaque, je sais même plus. L'attaque en harpon, je la trouve vraiment sympa. Hein. C'est à la place de mon précédent up, mais ça je m'en fiche ça. 6 circulaires, attaque aérienne à coup retourné. N'achète surtout pas la faux. Alors c'est un troll, parce que je sais qu'il y a des trolls des fois. C'est un vrai conseil ou c'est un faux conseil? Une puissante frappe dévastatrice. Ouais ouais, carrément. Alors, là c'est des petits trucs tout... Non, ok, c'est pas un troll. Ok, merci du conseil dans ce cas. Es-tu venu jusqu'ici pour me faire perdre mon temps? Non, sagement, a priori non. Je sais pas trop quoi prendre du coup. Pas trop quoi prendre. Mmh.
Alors. Est-ce qu'il. Mais non, mais c'est circulaire! Non, 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 j'ai les deux. Si circulaire, c'est pas terrible. Ah non, c'est pas. Tout acheter à terme est le mieux. Ne prends pas la scie circulaire. Ok, d'accord, j'ai compris. Ok. Bon. Bah, je sais pas trop quoi prendre. Une attaque puissante. RB plus X. On va prendre ça. Bien trop à négocier. Augmente la portée de cette attaque de frappe puissante. Voilà. Voilà un excellent choix. Et tranchant démoniaque, un uppercut qui projettera. Alors, tranchant démoniaque, L left trigger plus. Left stick. Plus X. Bah, ça me convainc pas ça. Ok. Alors, du coup, il faut que j'équipe, m'a-t-on dit. Ok, alors ça. Ok, c'est là qu'on peut switcher d'armes. Ah, ouais, ok, d'accord. Ok. D'accord. Ça veut dire qu'on peut avoir plusieurs armes du coup et on peut sans doute switcher avec. Ok. Là j'ai toujours pas de kappa, je sais pas ce que c'est. Ça c'est mon Kourou, ça c'est mes capacités de Kourou, mes objets, ok j'ai compris. Matériel équipement, je trouvais ça en fait la dernière fois assez. Ouais. Contre-attaque, je peux faire et ça, ok. Alors par contre j'ai des coups spéciaux, je sais plus où ils sont expliqués, mais il serait temps que je me les remette en. Que je me les remette en tête. Mais je sais plus où c'est. Merde, je m'en rappelle pas. Je sais pas où c'est noté. Alors en gros, j'ai. Et j'ai évidemment. Ok. Ah bah voilà. Voilà. Ça, c'est la grosse attaque. Il fait bobo. Ça doit casser des défenses. Ok, on peut l'enchaîner. Et ensuite, je peux faire aussi, sinon c'est... Voilà. Voilà, ça sert pas mal, ça. Sachant qu'il n'y a pas de barre de pouvoir à proprement parler, il y a juste des barres pour les pouvoirs vraiment spéciaux. Voilà, ça c'est un de mes pouvoirs, il me semble que je peux faire... Si c'est ça. On va se concentrer par là, je sais plus si ça... Ah bah si, c'est ça. Bon. Je sais... Je sais plus trop ce que je... Ouais. Non, je sais plus, en fait. Alors. Nickel. Ah, par contre, je vois pas les coffres, hein. Bon, en même temps, ça permet de faire un peu d'exploration, hein. On va repartir par là-haut. Ah, les mobs ne repopent pas. Les mobs ne reviennent pas. Ce qui en soi est pas mal, ça évite le farm en boucle. Ah donc c'est juste pour t'emmerder. T'as juste un parcours à faire. Ou éventuellement, ouais, enfin bon, ça pourrait se justifier par un hein, il va prendre des coffres et être plus fort. Bon, admettons. Je sais pas pour quelle raison ça a été fait. Ah bah non, ils reviennent, c'est pour certains, ils reviennent. Bon, du coup. Ok, nickel. Hop là, on retourne par là.
Eh, boycotter les vendeurs dans les RPG, parce qu'ils exercent un monopole. Ok. Alors, quelqu'un pourrait m'indiquer où est-ce que les techniques juste attaquer. Bon, ça, on s'en fout. Concentration, forme, chaos. LB plus RT. Mais je l'ai plus ce truc-là, la forme chaos, il me semble. Ok, ça c'est la concentration. Mort, un. Ok, d'accord. Il est possible de traverser une tumeur un peu pour sauter sur ces. C'est commencer à escalader. Ok, ça je vois ce que c'est. Ok, mouvement rapide, ruée, je sais même plus ce que c'est. RB plus ça. Ouais, ok, c'est ce qu'appelle. Le dash en gros. Arme improvisée, ok, je vois ce que c'est. Viser, je vois ce que c'est. Lancer, je vois ce que c'est. Je vois ce que c'est. Un pouvoir de courroux ou une dent. Oui, associer l'objet. À une touche. Ouais, ça, je vois ce que c'est. C'est pas les âmes. Invocation du guetteur. Double saut. Traversée de corniche. Uppercut, je sais même ce que c'est. Maintenir X pour lancer un ennemi en l'air avec un uppercut. Ah, je peux maintenir X. Et je sais même plus où c'est. Associer votre équipement. Ouais, ok. Ça. Ils doivent être insérés dans une arme, dans la partie forge. Bah. Bon, tant pis. Allez, on fait des petites foulées. Comme. Oh. Il me fait pas peur avec ses lancers de caisse. Voilà, petite esquive subtile. Et le voilà! Et là, on va essayer du coup. Putain, ça commence mal. Ah merde. Mais putain, normalement, je devrais avoir des frames d'invulnérabilité. Putain, mais c'est ouf quoi. Allez. Allez. Tape-moi. Oh putain, mais. Ça va beaucoup trop loin. On va essayer de contrer. Putain, ça sert à que dalle. On va essayer de bloquer. On va apprendre à bloquer. Oh putain. C'est ça qui a fait que j'ai évité le coup. Oh la vache. Ah, j'ai oublié de sauver. Bloquer, c'est ce que j'ai fait en fait quand le. Mais bloquer, c'est esquiver, parce que j'ai l'impression en fait qu'il m'a pas touché. C'est bizarre d'appeler ça bloquer si ça. Bah, je peux lui balancer des bagnoles, mais je peux pas techniquement. Ça me semble pas. Saleté. Vilain monstre. Oh putain, il est encore là lui. Bon, on y retourne, on va essayer. Ah merde, on peut pas passer par là, c'est des. Ok. Ah, c'est vrai que j'ai une corne, j'avais oublié. Alors là, on va essayer évidemment de.
Ouais, je pourrais sauvegarder, ouais. Mais là, je pense en fait le vaincre, donc je pense que c'est une perte de temps sèche. Putain, le salaud! On peut sauvegarder là, ce sera fait. Non, c'est select. Sauvegarder, je sais même plus. Non, c'est. Ah non, c'est start, mais c'est en dessous, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donner, option, quitter, donner, donner. Sauvegarder. Parfait. Ok. Ok, donc on va essayer de du coup. Ok, d'accord, ça a l'air de marcher. Oh non! Putain, voilà l'esquive de merde. Ok, on peut contrer. Ouais, bah quand ça passe pas, par contre. Ok, quand ça passe pas, ça fait mal. Alors, on peut contrer. Ouais, contrer, c'est pratique hein, quand même. Faut avoir du believe. Si ça passe pas, tu te fais punir. Ah ouais, il y avait une bagnole ici, mais j'avais pas vu. Alors, on va regarder la carte, il faut aller par là. Donc, on va aller par là. C'est chiant par contre qu'on soit obligé de. A priori c'est par là donc. Jamais aller à l'endroit. Alors, a-t-on... Il y a eu une amélioration sur un des speedruns de Dark Souls, c'est ça? Ah bah je sais que c'est de l'autre côté, mais Ah mais non, mais c'est par là que je suis arrivé, Ah, quel blaireau. Non, mais je savais que c'était de l'autre côté, mais j'avais pas fait gaffe, c'était parce que j'étais arrivé de l'autre côté, quel con. Ah bah oui, c'est vrai, c'est n'importe quoi. En fait... Ok. Je vois que certains sont en forme aujourd'hui. Alors... Allez, oula! Non, non! Ah non! J'aurais pu y aller... Oh, il suffit de taper, j'imagine. Ah non. Ah non, c'était juste un petit.
Je suis un petit peu... Ok, d'accord. Ok. Ah, il y a un coffre là-bas. Le nombre de messages. You want to earn money? Ah non, non, je l'ai ouvert celui-là. Ok. Je l'ai ouvert. Ok, bon bah on va... On va continuer du coup. Ah ouais, les spam bots, hein, c'est vraiment... A priori, on va pouvoir descendre de manière réglo. Alors maintenant, je tape vraiment ultra fort. Ouais, c'est-à-dire qu'en un seul coup, je peux placer ma combo. Nickel. Wow. Une clé richement décorée sur laquelle est gravé le symbole d'un œil peut dévorer une barrière avoisinante. Ok, d'accord quoi. Le truc qui était en haut. On va quand même descendre plus bas pour trouver des trucs. Ah non, on peut pas. C'est triste. On peut pas de cette manière en tout cas. Ouais, bah y a pas l'air d'avoir des tas. Ok, on va remonter. C'est le tuto clé porte. Voilà, c'est ça. Essayez par contre, si possible, en fait, de si tant est que certains d'entre vous désirent faire des blagues et tout ça, soit un minimum en rapport, que ça se transforme pas en un flood d'une succession de blagues. D'être un peu plus concentré, soit sur le jeu, soit sur le speedrun, soit sur du débat. Je n'ai rien. Un truc de démon. Je sais ce que j'ai vu. Il a raison. Uriel. C'est ici, sous la puanteur de cet endroit. On peut le sentir, ancien. Qui ne vient ni de la Cité Blanche, ni des ténèbres. Mais d'entre les deux. Il bute tout le monde, allez hop, c'est parti. Pas de discussion. Alors, appuyez sur RT. Oh non, un truc en FPS, hein, je vais pas aimer ça. Ah ouais, un vrai débat ça. Les autoscrollers dans les jeux, un bon moyen de changer de rythme ou une démonstration de flemme de game design? Ah, c'est une transition de flemme. Une transition de flemme. Alors, RT, right trigger pour tirer. Et gardez RT enfoncé pour marquer vos ennemis. Pour un tir à tête chercheuse, ouais bon. Mais allez, mais c'est un tir à tête chercheuse, on me dit. Faut savoir. Bah, sérieux quoi ?
putain, mais c'est vraiment nul ça. Ça rapporte rien au jeu quoi. La justice est proche. Ouais, bah, il va s'appuyer, c'est un tir à tes chercheuses. Ils se sont dit, ah, une cinématique, le joueur est trop passif, c'est ça? Allez. Ah putain, je peux pas le toucher, les mecs là. Ils sont trop à gauche. Allez! C'est pas normal ça. Non mais c'est quoi cette phase trop nulle? Bon bah je peux bourriner aussi hein. Aïe. Mais putain mais... C'est débile. Putain c'est pas vrai. Putain, mais phase 2, c'est vraiment... Pff, oh là là, que c'est mauvais ça, mais ça n'a aucun intérêt, c'est un rail shooter quoi. Pas que les rail shooters aucun intérêt, c'est juste que là, je joue pas un rail shooter, merde. Oh là 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 là. Ça c'est un truc qui m'énerve, en fait c'est comme si en fait, à un moment c'était du genre ah là, les cinématiques dans les jeux c'est pas bien parce qu'un jeu, un joueur doit être actif etc. Et là au moins une cinématique ça a une fonction narrative et quand tu veux vraiment que le joueur soit actif, ah putain. Ah ouais non mais la musique c'est du mauvais gameplay ça, c'est vraiment enfin, c'est vraiment chiant quoi. J'espère qu'au moins je refais pas toute la séquence, hein. Moi j'arrête le jeu sinon. Ce serait vraiment une mauvaise idée, quoi. Mais sérieux, c'est mauvais, quoi. Mais ça sert à quoi? Je peux même pas éviter ce tir. Y'a pas un... On peut pas éviter ça, sérieux. Oh là là, mais c'est trop nul, quoi. Mais comment j'évite ces tirs, là? Ah, c'est ça mon problème. Voilà, j'essaye. Mais putain, mais je peux pas les esquiver. Quelqu'un peut me dire comment on dash parce que c'est, ils me l'ont pas indiqué. Et là, c'est vraiment très chiant. Je peux péter les boules là. Oh, ça me saoule. Je peux péter les tirs. Oh, ça me saoule. Mais c'est nul comme idée, putain! En fait, ça c'est un problème aussi de game design, parce que des fois, bah voilà, les gens ça a demandé du boulot, mais un bon responsable de jeu il doit dire par exemple, bon bah voilà, c'est mauvais, hein. En pisse! C'est pas parce que ceux qui ont bossé dessus, ils ont fait ce qu'ils ont pu, c'est mauvais, c'est pas parce qu'ils ont bossé qu'ils l'ont fait qu'on doit le garder. Je veux dire. C'est pas pour ça qu'ils doivent pas être payés si on le garde pas. Enfin, c'est, en gros, bah, t'as bossé, des fois il y a des idées, bah, finalement des pistes qui étaient mauvaises. Paye tous les gens qui ont bossé, y compris ceux dont on n'a pas gardé les idées, qui ont réalisé certaines idées qu'on n'a pas gardées. C'est juste, voilà, c'est mauvais, ça peut être le rythme, une petite cinématique, c'est réglé quoi. Putain, c'est nul. Ouais, je peux spammer quoi. Ah, ils te font tout un laïus sur ouais, il faut concentrer son tir, tu spammes juste comme un con et ça passe. Et tu peux même pas, comme c'est un rack shooter, tu peux pas aller trop à gauche ou trop à droite. Ah bah non, c'est super difficile en fait, hein, évidemment, mais. Faut mettre de côté l'ego des fois. Il peut y avoir un director's cut. Genre c'est un jeu que tu gardes en bonus pour la fin, c'est rigolo quoi. C'est un genre un truc que tu débloques avec un code, un petit mode. Il est avec moi lui par hasard, je le tire dessus. Bah oui non mais c'est toujours difficile.
Désolé. On n'a pas gardé ton boulot qui a duré 2 ans. Ah, c'est pas de chance, mais bon, tu vas pas te formaliser. Non, évidemment que c'est difficile. Mais c'est pas complètement perdu. Tu peux le garder soit pour un autre jeu, soit pour un bonus dans le jeu, un mini-jeu, quoi. Un mini-jeu, c'est rigolo, tu forces pas les gens à jouer à ça, quoi. En fait, ça me fait penser toute une école à un moment dans la fin des années 90, il y a eu un modèle de game design où on s'est dit, fin 90, début 2000, où le futur du jeu vidéo, c'était de mélanger tous les styles de jeu. Il y a des game designers et donc des jeux qui sont sortis en mélangeant, en ayant différentes phases et quasiment en fait, toutes les phases de jeu. Genre, ah, imaginez un jeu de plateforme avec des phases FPS, TPS, des phases puzzle et tout ça. Donc en gros, il y a tout dedans, mais tout était mauvais techniquement, parce que c'est normal. Et souvent, les moteurs. Les moteurs sont faits pour certains types de jeux et sont mauvais pour faire d'autres types de jeux. Donc quoi qu'il en soit, ça a été une idée à un moment où cette idée, imaginez un jeu dans lequel chaque phase de jeu et chaque sous-phase de jeu a un gameplay différent, genre c'est un jeu de gestion et chaque bataille est un RTS, et ensuite chaque bataille d'un RTS est, je sais pas, un jeu de combat. En fait c'était soit extrêmement long et souvent extrêmement du coup mauvais. Heureusement, pas besoin d'avoir 50 idées dans le game design, t'as juste quelques idées et tu essaies de faire en sorte d'avoir un jeu cohérent, maniable. C'est le minimum, hein, ce que je veux dire. Heureusement qu'on n'aide pas les jeux sur la maniabilité maintenant. C'est juste une sorte de prérequis, en fait, sur un jeu pas terminé. Mais disons, voilà, avec DA cohérente avec le gameplay, un truc original. Ou un truc pas original mais bien rodé en soi, mais va au bout de ton idée, quoi. Ah, on peut péter ça ? Ouais, c'est cool. Non mais c'est abusé, comment c'est long ! J'ai avoir une tendinite là ! Ah, on pète les murs, mais... Ah, je peux péter tous ces vidéos aussi ? Oh là là, c'est mauvais. Ah ouais, les jeux plus courts et moins chers, tout à fait. Ok, ça fait un... Ah mais c'est pas vrai. Ah non, c'est... Putain, mais à part spammer, mais je vois pas l'intérêt, putain. Ça, au moins, je mets mon cerveau de côté, je peux vous parler. Putain, j'ai mal au pouce. Enfin, j'ai mal au... J'ai une tendinite, quoi. En fait, moi, ça me dérange pas d'avoir un jeu plus court, ça rallonge... Rallonger la durée de vie, ça n'a d'intérêt que... Enfin, ça n'a pas d'intérêt. Hein. Des fois, il y a des jeux qui sont bons pendant 60 heures, d'autres qui sont bons pendant 10 heures. Et c'est en fait parce qu'on... C'est typiquement dans un test de jeu, pas dans une critique. La plupart des gens, en fait, vont se dire « Ah, quand même, le jeu coûte 60 euros, faut au moins qu'il dure 60 heures, sinon les gens vont se sentir volés. » Et malheureusement, ils ont fondamentalement tort, mais si on regarde un petit peu la vie de certains internautes, malheureusement, ils en sont là. Parfois, c'est « Ah, je trouve ça scandaleux d'acheter un jeu qui dure que 5 heures. » En soi, mieux vaut 5 heures intenses que 60 heures pas intenses. Y a pas de... Ah, et voilà le boss. Ça va vraiment dépendre du boulot fourni, de la qualité du gameplay, de la profondeur du jeu, de la rejouabilité et tout ça. Ok, d'accord. Ah, un truc qui vole qui est un peu plus gros. Tiamat, je suppose. Je crois qu'elle n'est pas d'humeur à nous recevoir. Allez, saute et on le bousille. Alors ça c'est... Ah, on peut rentrer sur le côté ici.
Voilà, c'est un cercle. Let's go. Alors, vous m'avez toujours pas répondu, mais comment on peut faire... Comment on peut faire pour avoir les différents raccourcis? Parce que moi, je sais même pas... Oh, peu de pierre. Ah, c'est cher. Non, une peau de pierre, ça peut être rigolo. Ouais, c'est ça. Bah ouais, mais certains, je sais même pas si je les ai achetés. Si, attaque au harpon, c'est... A et... Ah ça, je l'attaque au harpon, je l'ai prise. A et X, maintenir en l'air. D'accord, tous ceux qui sont niveau 2, c'est ceux que j'ai pris. Non. Ah. Ceux qui sont niveau 1. Ouais, putain, mais il y en a un paquet, mon dieu. Faudrait que je les note. Contre-attaque. Augmente les dégâts. De la contre-attaque. Bah, je sais pas trop quoi prendre. Ouais, je vais prendre l'attaque au harpon augmenté. Tu es tout aussi sage que puissant. Ouais, j'ai pris deux niveaux de frappe. Voilà, frappe puissante, c'est ça. Attaque harpon, c'est la même chose, mais avec une direction. Maintenir X puis relâcher. Bon, à prendre une percute à l'épée. En quoi voilà. Ok. Ok. Ok, nickel. Des upgrades de vie? Ah, trop tard. Je pense que là j'en ai. Ouais, les upgrades de vie, je trouve ça pas terrible. Ah, ça dépend, il m'en reste combien des petits popos? Enfin, il me reste combien d'âmes là? À 400, ça me paraît léger. Les upgrades de vie, on les chope où? Parce que ça, c'est pas des upgrades de vie. L'essence de vie et tout ça, c'est des popos simplement. Ah non, si circulaire. Ah non, fallait vraiment le prendre, j'avais compris qu'il fallait pas le prendre en fait. À force de tout lire en fait, je retiens pas. Je l'évite soigneusement depuis tout à l'heure. Mais si c'est bien, au prochain. Je vais aller l'acheter. Alors... Oh mon dieu, un truc à casser avec un super pouvoir. Alors sinon ça va, alors là normalement la qualité est assez médiocre au niveau de l'encodage. Est-ce que vous voulez que je l'augmente? Parce qu'aujourd'hui, là il n'y a pas de drop aujourd'hui. À 750, il n'y a pas de drop. Par ici. Ah j'avais dit que vous mettez le jeu en anglais là. J'ai oublié de vous le mettre en anglais, ah, peu importe. Ok... Fait plus mal, s'il te plaît. Ah non, c'est juste...
Ok, d'accord, c'est juste une épée de cristal qu'on fout ici, c'est pour nous apprendre à la mettre là. Ok. Donc ok, les épées sont là. Ok. Oh, un gros machin. Ok, let's go. Alors, on va passer par là. C'est cool. Alors, ok. Non, en plus, c'est gênant. Enfin, le côté rail shooter tout à l'heure est pas du tout justifié en plus parce qu'il n'hésite pas. Si à l'ennemi, c'était pour remplacer, on va dire, les cinématiques. Mais ils en usent beaucoup par ailleurs, donc en fait on peut même pas justifier ça de cette manière. Mais bon, les donjons sont pas mal pour l'instant, donc c'est cool. Ok. Faites des bisous à Nico. Putain, saleté. Ouais, j'en ai pour 50 heures, 40 heures. Ouais, mais il passe pour 50 heures de l'arcade. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit, donc pour l'instant c'est cool. À part les phases rail shooter, j'ai trouvé vraiment à chier quand même. Grave. Ouais, là, même les trucs rail shooter. Mais j'ai pas fini. J'avoue, j'ai un pote qui a fini pour moi. Je m'a fini. Alors, on va regarder les joueurs. Nickel. Bon, allez, amusez-vous bien. Bon après-midi. Bon après-midi à toi. Il ressemble vachement au mec du Défi Ditch Challenge. Oui, c'est normal, c'est les pattes. Je suis au bureau Nesblock, donc tous ceux qui tournent, en fait, le lieu de tournage, en fait, vous le voyez pas, il est là. Oh, non, la caméra est décalée, mais en gros, ça correspondrait à ça. Il est là, le lieu de tournage. En gros, enfin, il est de l'autre côté, je le vois quasiment. Donc quand ça tourne, sauf que quand ça tourne, je ne stream pas pour ne pas faire de bruit. Il y a de nombreux potes qui passent. Tout à l'heure, il y avait Fred aussi, du coup, qui est passé. Alors ça c'est cool, on peut passer. On peut pas prendre les petites épées là, donc quand elles sont rouges on peut pas les prendre, ok, admettons. Alors on va casser la statue. Ah non, quand elles ont une épée, elles sont protégées. Le lieu de tournage est dans mon bureau. Non, c'est plutôt le contraire, c'est plutôt que c'est les bureaux, c'est le lieu du tournage et s'il se trouve que c'est moi qui stream d'ici parce que c'est encore pire là où j'habite. Non mais... Ok, d'accord. Les statues impétables, il faut mettre des épées dessus. Parce qu'elles sont impétables.
vais me prendre un... je vais me faire une petite pause un moment de vraiment trois fois rien, juste le temps d'aller me chercher un café, histoire que vous aussi puissiez prendre, pour certains d'entre vous, le temps de prendre un petit café. Bon là, le fait de taper plus fort, c'est quand même cool, hein. Je sens la différence. Ok. Ouais. Mon dieu, des monstres! Ouais, bah c'est vraiment bateau quoi. Non, sérieux! Allez, normalement, je l'attrape le mec, le monstre qui vole là. Hein? Je vois que j'aime bien ce type de jeu, d'ailleurs je ferai peut-être Bayonetta de ces 4, le speedrun il paraît. C'est pas mal. Mais le prochain jeu que je vais streamer du coup dans le cadre du scandale pour cent, si vraiment je décide de continuer ça, parce que je pense que je préfère faire ce que j'ai commencé récemment, le NES pour cent entre guillemets, c'est-à-dire faire des. Être accompagné de potes qui sont par ailleurs des très grands joueurs, voire des gens qui ont des world records. Et qui m'entraîne, qui me donne des conseils pour faire un speedrun à ma portée, c'est-à-dire un speedrun plus 50% du temps. J'ai commencé sur Team World Dig et Super Meat Boy. Je trouve ça peut-être plus intéressant que simplement jouer comme ça à un jeu, mais... Donc, je sais pas, je vais sans doute arrêter de faire simplement jouer à un jeu. Je ferai autre chose en stream. Alors, voilà, je peux péter les trucs rouges maintenant. Alors, lancer cette bombe gluante sur des objets ou des ennemis avant qu'elle n'explose. Ah d'accord. Ok, cool. Ah, ça c'était pour apprendre. On peut pas aller de l'autre côté. Il y a peut-être un petit peu de vent, mais peut-être pas suffisamment. Ouais, j'ai envie de tenter, mais ça me paraît un peu risqué. Un petit peu risqué quand même. Ok, je peux aller prendre ma bombe et faire péter des machins. Genre là-bas quoi. Oh, bon, bah allez. Est-ce qu'on peut du coup prendre une bombe? Voilà, on va prendre ça. Allez, ah, on peut plus dasher! Oh non! Comment ça, je croyais que... Bah oui, on vit en coloc. Ouais, c'est pas le problème, on vit en coloc. Mais pas tous. La maison est grande, mais tous... Il y en a certains qui ne vivent pas en coloc. Bon ben... Je peux tenter un truc, mais ça m'a l'air... Ouais. Ouais, ça me paraît vraiment chaud. J'ai l'impression que c'est pas une bonne idée. Ok. Donc j'ai appris à faire ça. Ouais, je prends. Alors, je vais monter. Là, c'est par là que je venais. C'est par là que je viens. Évidemment, je n'ai pas la clé, ok. Pas de soucis. Je ne peux pas prendre cette épée. Ok. C'est par là que je viens, à moins que ce soit là, ça m'aime plus. Non putain, mais quel blaireau, je reviens ici, mais c'est pas vrai.
Ok. Là-bas, c'est fermé. Là, il y a rien. Et là, j'en viens. Donc il faut... je viens de là. Ouais, c'est ça. Je viens de là, mais j'avais rien trouvé ici. Cette porte là-bas est fermée. Ça allait fermer cette porte. Ok. Alors par contre, je ne vois pas. Il y a l'air d'avoir... Ah, c'est là-haut. Il doit y avoir un truc là-haut. Ouais, ça va être ça. Ok. Admettons. Bon, là, il n'y a rien. Ok. Alors, nous dire voilà, faut monter. Ah oui, on peut s'agripper aux lierres là? Non, on peut pas? Bah, là, il y a un truc que je peux péter, mais. Comment je fais? Ça me paraît très étrange, ça. Ben... Allez, pour vous faire plaisir, je cours un peu dans l'eau. Non, j'ai bien compris que les portes... Et j'ai pas eu la clé. La clé de ce bidule, je l'ai pas eu. Il me semble pas. Je l'ai pas vu, en tout cas. Alors ça n'est pas là. Je peux pas m'agripper à ça, je suis déçu, mais j'étais presque à m'insulter moi-même en me disant mais non, je suis trop bête, il suffit de s'agripper à ça pour monter. Et en fait non. Bah. La clé pour les cristaux rouges. Ah putain, il y a un petit ennemi qui est resté là-haut. Ah, le des ennemis. Les bombes ne se ramassent pas, j'ai ça comme arme maintenant? Je peux l'équiper? Bah non, je vais retourner du coup. Bah ouais, mais j'ai eu l'impression qu'il y avait rien. J'ai vu des plateformes mais je pouvais pas les atteindre. Et il m'a semblé que je pouvais pas les atteindre après. C'est une erreur. J'ai bien compris que la suite était là, mais... Ah putain, mais c'est ces machins-là que je repère jamais. Ah putain, c'est pas vrai. Je repère jamais ces bidules, moi. Ok. Ouais, bah voilà, bah... Moi, il faut que ce soit... Que ça clignote et que ce soit vert fluo, parce que dans ce genre de jeu... Vu la période, je me suis dit, c'est bon, il l'aurait indiqué si c'était un truc à voir. Quel blaireau. Il va falloir que je fasse une mini pause bouffe aussi à un moment. Et voilà, une clé. Révèle entièrement la carte locale. Et voilà, la carte. Ok. Bah ça c'est cool. Est-ce que je vais pouvoir décrocher cette bombe en sautant? C'est si intéressant que ça ce que je vais manger. On s'en fout, sérieux. Je vais manger un sandwich parce que là j'ai pas envie de vous laisser trop longtemps. J'ai beaucoup d'heures de stream cette semaine grâce ou à cause de ce jeu. Donc je vais manger... ça va être rapide. Brioche chocolat, ouais non. D'abord un vrai truc, c'est-à-dire du salé, et ensuite je peux manger. Nom de Dieu.
C'est marrant, une gueule avec un truc. Tiens, une petite pierre et tout ça. Est-ce que je pourrais atteindre ce truc? Ça serait pas mal. Ouais, on peut peut-être. Non, il y a un mur invisible! C'est dégueulasse les murs invisibles, putain! J'aurais pu gruger! Ah bah j'ai la clé maintenant donc. Par contre. J'ai pris la clé quand même. Ah non, j'ai eu la carte, je suis con. La carte que j'ai eue. Let's go, on va se retaper la petite phase d'escalade. Pas très complexe. Ce serait pas mal qu'on puisse stocker les bombes. Ah, saleté. Assez bizarre quand même, hein. Mais allez, go, quoi. Pas péter, ça c'est... Ah si. Ah, on peut la pousser. J'aime bien. Voilà. Parfait. Ok. Et on va essayer quand même de décrocher. Donc là, on a dit que... Et quoi déjà ici on veut... Là, il n'y a rien, en gros. Puisque je ne peux pas y aller. Ok. Allez, on va aller dans le trou. Ok, nickel ça. Ça j'aime beaucoup. Ouais, ça c'est cool, les donjons sont sympas. Voilà. Je peux m'entraîner à faire cette technique. L'uppercut et le coller, bam! Comme ça. Salut à ceux qui arrivent. Bon bah c'est cool. Donc en tout cas pas de drop aujourd'hui. C'est cool. Par contre moins bonne qualité que la dernière fois. Là je suis à 750 mégabits. Au niveau de mon bitrate c'est 150... 150 c'est ça. Ok, on va prendre ça. Voilà. On lui fait une percute. On le raccroche en bas. Ok. Salut Yoshiko. Alors, bah nickel. Ok, nickel. Donc voilà, j'ai compris. Donc, différents combos. Ça, ça fait ça. Ok, il y a ça aussi. Je les ai pas tous compris encore les combos que j'avais, mais... Voilà la clé. Et voilà. Ah, c'était juste pour aller chercher la clé. Ah, les vilains. Faut pas que j'oublie que j'ai une corne. Pourra m'être très utile.
Ok. Quoi ? Eh ben oui, on peut pas repartir par là. Et merde. Ah bah c'est ballot ça. Bon bah dans le doute on peut péter la porte. Alors il m'indique que j'ai une clé, je suis fort heureux. Dans le doute pète tout, ouais, c'est ce qu'il faut appliquer dans le jeu. Mmh. Ouais, ça m'a l'air. Alors, oh. Bon, peut-être un truc à la. Soit un mur cassable, soit comme les rebords encore. Les rebords, c'est les trucs que je vois pas quand il faut escalader donc. Et voilà, ok, d'accord. Ouais. Ok. Let's go. Pas moyen, j'arrive pas à voir hein, ce truc. Hein. Là, c'est dangereux d'être près d'un truc. Moi j'aime bien chercher, moi, contrairement à toi, tout, c'est vraiment, ça me dérange pas. Il y a les Zongwen aussi qui aiment pas la recherche. Des phases vraiment, véritablement d'exploration. Ok. C'est le premier vrai donjon, celui-ci. Ah, il est... Mon coup des stocks est quand même super pratique. Hein. Ouais, c'est sûr, dans Doom. On passe ton temps à chercher. Toi, Twin, t'aimes pas qu'on te raconte des histoires non plus. Ouais, une cinématique. Alors, on va peut-être faire. Alors, je sais pas quand il y aura la sauvegarde automatique. Je pourrais éventuellement faire une sauvegarde de sécurité. Ok, voilà une fameuse épée pour mettre dans la statue. Avec un boss. Enfin, un mec un petit peu plus armé, on va dire. Ouais, il pousse un cri classique. Quel boss ne pousse pas un cri quand il arrive en jeu? Bon, on va essayer de faire. Regardez la partie. Ok. Eh ben on fonce. Je t'offre un repos éternel. Tu es faible. Oh mais lol, mais pousse-toi, vilain monstre. Ok, maintenant je vais te défoncer. Ah putain, bon je vais faire pareil, je vais tenter de faire des contres. Ok. Ah ouais non mais
y a pas moyen. Bon bah... J'étais un petit peu plus solide avec son armure, mais... Ouais, en gros, quand j'ai voulu contrer, je me suis pris vraiment en deux vilains trucs. Voilà, j'ai pris la petite épée. Et on retourne au début du donjon maintenant. Bon. Ok. Queen Speedrun Heavy Rain. Alors vous ne le saviez pas. Il ne le fait pas en Twitch. C'est un speedrun honteux. Il est... Oh putain, il est trop sympa le mec. Au cas où t'as pas capté, il te vraiment il t'aide, il te tient la main. Ah, après j'aurais pu l'enlever ça. C'est un choix, je crois que ça se désactive dans les options le fait qu'il te montre tout. Putain, alors ça c'est mieux. Ah bah voilà. Ok, alors il y a un super combat. Je sais même pas où sont les enregistrements dans ce jeu par contre du coup, comme c'est pas très clair. Allez hop, il se bagarre, moi je m'en fous. On passe discretos. Ah d'accord, c'est là, il vient de sauvegarder. Quand il y a la petite icône bleue, j'ai l'impression. Ouais, ça se pète pas. Non. Où vais-je mettre ça? On va lui balancer une bombe pour qu'il la bouffe peut-être. Oh. Bon, il y a une bombe. Ça va repousser normalement, j'imagine. Bah, si c'est bien fait, évidemment que ça repousse. Oh putain. Ok. Alors, on va essayer de, évidemment, viser le vilain ennemi. Ah, on peut directement tirer là-haut. Voilà. Voilà, parfait. Ok, d'accord, vous le prenez comme ça. Ah putain de merde. Ok, d'accord. Ok. Ouais, j'avais pas beaucoup de... Ah, ils te remettent ici. Ah, ils te remettent ta vie. Par contre, au cas où, si t'as vraiment... Ah, c'est cool, ça. Parfait. Les démons et les anges se battent toujours ensemble. Moi, je me poserais plutôt la question s'ils étaient alliés. Il faudrait qu'on m'explique. Yeah.
Mais putain, mais le bonhomme... Ah, c'est pas skip. Allez, mais... Ah mais sérieux quoi, j'avais fait un mauvais début de combat là. Ah je peux peut-être lui balancer une petite bombe, tiens. On va tester ça. J'arracherai la peau de tes os. Hein, c'est une blague, ça marche pas? Non, ça aurait été c'était une bonne idée, ça. Merde. Fuck. Ok, donc maintenant, il n'y a plus à se concentrer. Ah, fuck, quel blaireau, je suis planté. Ok. Allez. J'arracherai la peau de tes os. Oh, il est un petit peu plus costaud, mais...